l'orchestre du Palace. Je ne dirai pas, mais bientôt ils vont voir 110 ans. Enfin, quand on voit le chef, on le dit déjà. Et... Hein? J'ai à peine. À peine 110 ans. Voilà. Mais évidemment, ce soir, c'est l'orchestre là qui va vous interpréter à peu près 6 morceaux. Et puis, on en a profité aussi pour la musique avec la participation aimable de Claude Bourgeot qui est ici, qui va donc faire un duo piano-violon avec moi tout à l'heure. Et puis, vous avez quand même aussi, au passage, rendez-vous pour l'année prochaine pour cet événement qui sera donc les 110 ans. Et vous pouvez commencer déjà à nous faire un peu de musique partout. Le programme exact n'est pas encore bien fixé, mais il commence à être excité. Voilà. Donc, pour le programme de ce soir concernant d'abord l'orchestre du Palace, Monsieur Bruno. Alors, un programme un petit peu différent, donc il y aura un petit morceau de jazz. On va d'ailleurs commencer par un morceau qui sonne un petit peu jazz, qui s'appelle Opus Swing. Après, on aura une musique de film qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Ensuite, nous allons avoir du Henri Salvador, une sorte de medley d'Henri Salvador, que vous pourrez chanter bien évidemment. D'ailleurs, vous chanterez. Ensuite, on va traverser la Manche pour faire un hommage aux Beatles. Après, un morceau plutôt écossais, parce qu'il est d'origine. Ah, merci beaucoup. Donc, on va recommencer. Et donc, on va ensuite enchaîner un morceau qui s'appelle Highland Cathedral, qui est un morceau à l'origine joué à la cornemuse. Et on va bien sûr terminer un morceau traditionnel de Noël qui s'appelle Get It Stop. Ça, c'est pour notre partie. Maintenant, je laisse. Eh bien, après le quatrième morceau de l'Orchestre du Palace, donc Claude et moi-même, nous aurons l'immense plaisir de jouer pour vous ce soir en hommage à la patronne de la musique, Sainte-Cécile. Nous jouerons d'abord une œuvre de Beethoven qui s'appelle de la romance, la deuxième romance en fa majeur. Par la suite, nous allons continuer avec une pièce de Paganini, un violoniste qui ne peut pas donc zapper ce grand violoniste italien du 19e siècle, qui était Niccolo Paganini, avec une pièce qui s'appelle Cantabile. Et nous terminerons avec une des pièces les plus célèbres pour le violon, qui est la méditation de Thaïs. Voilà. Donc, nous allons laisser la place d'abord à Bruno et à l'orchestre de Palace, avec ce premier morceau qui est Opus Swing. Thank you.
de 5 films qui ont été tournés entre 2003 et 2017. Et pour changer les habitudes, l'orchestre de la Fortune va chanter. Voilà. Depuis on sait dans la bouche de pirates. C'est vrai que c'est pour moi certain. Hein, on peut dire qu'il y a des pirates. Voilà. Et après, ça sera instrumental, je vous rassure. Thank you.
prochain thème, c'est Henri Salvador. Rien à voir avec Pirates des Caraïbes, bien évidemment. Les titres, je ne vous les donne pas, vous allez bien sûr les reconnaître. Simplement, je vous demanderai c'est d'applaudir Ivan au piccolo, s'il vous plaît. Et dans Henri Salvador, vous aurez un solo de bugle. Alors, le bugle, ce n'est pas une trompette, mais on va écouter ce qu'est un bugle. Voilà, c'est un son là. On ressemble un petit peu à la trompette avec un son gros. C'est du velours. Thank you.